Ludwig van Beethoven est né le 16 décembre 1770 dans la ville de Bonn, dans l'électorat de Cologne. Il est considéré comme l'un des plus grands compositeurs. Ses symphonies ont révolutionné la musique classique, faisant la transition classicisme viennois vers le romantisme. Beethoven eut le malheur de souffrir de surdité. Mais envers et contre tous, il parviendra tout de même à composer des œuvres majeures. Voici son histoire. Beethoven a eu 7 frères et sœurs. Seuls 2 des frères de Ludwig van Beethoven ont vécu jusqu'à l'âge adulte, Caspar Anton Karl et Niklas Johann. Le reste de la fratrie Beethoven sont morts en bas âge. Maria Magdalena van Beethoven, sa mère, était une femme mince, distinguée et profondément moraliste. Son père, Johann van Beethoven, était un chanteur médiocre de la cour. Il enseigne la musique au jeune Ludwig avec une rigueur et une brutalité extraordinaires qui l'affectera toute sa vie. Le petit garçon pleurait pendant qu'il jouait du clavier. Son père le frappait pour chaque hésitation ou erreur. Beethoven a été terrorisé par son père, mais force est d'avouer que le garçon était doué. Dès les premiers jours, son père a mal agi avec lui, mais il avait probablement reconnu très rapidement le talent de son fils. Son père organisa son premier récital en public le 26 mars 1778. Il n'a que 7 ans. Sa démonstration, par contre, ne fera aucun bruit. À l'école, Beethoven était un enfant dans la norme, nullement supérieur aux autres. Un camarade dira même que jamais on n'aurait pu percevoir le génie qui sommeillait chez le petit Beethoven. On émit même l'hypothèse qu'il était dyslexique car il avait de grosses difficultés avec l'orthographe et la lecture. Mais c'était une toute autre histoire pour la musique. La musique était en lui, ça venait tout seul. Dès 1781, à seulement 10 ans, Beethoven quitte l'école pour étudier la musique à plein temps. Une décision éclairée de son père, le jeune Ludwig, apprendra avec Christian Gottlob Neff, organiste de la cour. Dès 1784, Beethoven sera sur la liste de paye comme organiste assistant du tribunal, ce qui aidera la subsistance de la famille. En 1787, on envoie le garçon étudier à Vienne pour peut-être rencontrer Mozart, une rencontre qui tient peut-être de la légende. Rien ne prouve que Beethoven et Mozart se sont rencontrés. Quoi qu'il en soit, après quelques semaines, Beethoven devra rentrer à Bonn. Sa mère est malade. Il continue sa formation de musicien de la cour le plus prometteur. À la mort de l'empereur romain Joseph II en 1790, Beethoven, âgé de 19 ans, compose une œuvre en son honneur.
Cette composition n'a jamais été interprétée et fut complètement ignorée. C'est Johann Brahms qui ressuscita cette musique, considérée aujourd'hui comme son premier chef-d'œuvre. En 1792, Beethoven revient à Vienne. Mozart vient de décéder. Joseph Haydn est maintenant la référence pour lui enseigner. Haydn sera bienveillant avec le jeune homme qui a maintenant 22 ans. Il développera son talent au piano avec Haydn dans un travail qui ne lui laisse aucun répit. À l'exemple de Mozart, Beethoven sera un virtuose du piano et lui aussi un maître de l'improvisation. Toujours à Vienne, Antonio Salieri, quant à lui, l'aidera dans la composition vocale. Beethoven fait ses débuts publics tant attendus à Vienne, le 29 mars 1795. Il publiera son premier opus, trois trios pour piano, et c'est déjà un travail de maturité. Ce sera un succès critique et financier. En 1800, c'est sa première symphonie présentée au Théâtre impérial de Vienne. Encore une fois, c'est un succès, même si Beethoven est plus ou moins satisfait de son travail. Il sent qu'il peut faire mieux. On ne peut que lui donner raison. Il continue à composer en grande quantité. 6 quatuors à cordes l'établissent déjà comme un compositeur reconnu. Beethoven n'a que 30 ans. L'avenir s'avère des plus prometteurs. Dans la même veine, suivra un ballet, Les créatures de Prométhée. Tout ce que Beethoven publie est dans l'estime des critiques. Dès 1801, alors que Beethoven est déjà au début de sa gloire, alors que tout lui sourit, il constate avec angoisse qu'il commence à perdre l'audition par moments. Il ne s'inquiète pas au début. Beaucoup de travail, il est fatigué, un peu de repos et tout rentrera dans l'ordre. Et pourtant, dès 1802, l'acouphène chez Beethoven s'accélère. Il deviendra complètement sourd en 1820. Il sera très dépressif et progressivement, son état va l'isoler de la société. Sans femme ni enfant, sa solitude n'en sera que plus grande. Cette période d'un profond déchirement nous amènera sa fameuse sonate Claire de Lune en 1801. Sa deuxième symphonie, son concerto pour piano numéro 3. Son inspiration est toujours croissante et ne faiblit nullement malgré son angoisse de perdre Louis. La symphonie numéro 3 sera sa première vraie grande symphonie, très longue, près de 50 minutes. Il l'appellera la symphonie héroïque. On la trouve trop longue dans le milieu, mais Beethoven ignore les critiques. Il sait qu'il vient de publier une œuvre majeure. Il ne s'arrête pas là. En 1804, c'est la grande sonate pour piano numéro 23, Appassionata, puis le triple concerto pour piano. L'œuvre continue de grandir. Beethoven connaîtra le premier échec de sa carrière, avec l'unique opéra qu'il aura créé, Fidelio. Mal reçu en 1805, il devra réécrire deux autres versions, une en 1806, puis finalement celle de 1814, qui connaîtra le succès durable jusqu'à aujourd'hui. L'expérience de l'opéra sera douloureuse pour lui et plus jamais il ne se frottera à cette discipline. Malgré tout, Fidelio demeure encore aujourd'hui au répertoire des plus grands opéras. ...1806 à 1808 sont les années les plus créatrices de sa vie.
le concerto pour piano numéro 4, les trois quatuors à cordes numéro 7, 8 et 9, la quatrième symphonie et le concerto pour violon, tous des chefs-d'œuvre de haut niveau. Le 22 décembre 1808, Beethoven est à l'honneur. Il publie et joue une somme qu'il a composée depuis les derniers mois. On joue la cinquième symphonie, l'une de ses plus célèbres, la symphonie 6, dite la pastorale, le concerto pour piano numéro 4, la fantaisie chorale pour piano et orchestre, et deuxième de la messe en ut majeur. Beethoven est au summum de sa carrière. Il est le plus grand compositeur vivant de son époque. Tous sont unanimes à son sujet. C'est le maître incontesté. Les années 1809 et 1810 ne sont pas en reste avec le concerto pour piano numéro 5. La musique de scène pour la pièce Hegmann de Goethe, la sonate Les Adieux. Les années 1811 et 1812 vont nous offrir le trio à l'archiduc pour les 7e et 8e symphonies. La première grande période artistique de Beethoven s'achève. Il n'a plus rien à prouver, mais il n'a pas terminé son œuvre. D'autres richesses nous attendent. Beethoven s'éprendra de plusieurs femmes durant sa vie. Il ne pourra jamais concrétiser un mariage qu'il aurait tant désiré. En 1812, il écrit une lettre à une femme mariée, bien que la destinataire soit contestée. On la pense destinée à Anthony Brenton. On évoque aussi le nom de Josephine von Brunswick, épouse du baron Christoph Stackelberg. Il intitule la lettre « À vous, mon immortel bien-aimé ». Mais ses espoirs resteront vains. Beethoven restera seul toute sa vie, sans femme ni enfant. À partir de 1813, la grande créativité de Beethoven semble s'essouffler. Vienne, toujours dure avec les musiciens, commence à l'ignorer. Il intente un procès contre sa belle-sœur pour la garde du fils de son frère décédé, Caspar. Ce n'est qu'en 1820 qu'il aura gain de cause. Mais son neveu est rébarbaratif et ne témoigne aucune reconnaissance à son oncle. Il ne sera que source de déception pour Beethoven. Côté musical, Beethoven n'écrit plus aucune symphonie. Quelques œuvres marquantes en musique de chambre, comme les sonates pour violoncelle numéro 4 et 5, la sonate pour piano numéro 28 et le cycle de Lieder à la bien-aimée lointaine. Après être tombé gravement malade, Beethoven reprend le dessus et entamera sa dernière grande période créatrice. L'inspiration qu'on lui a connue à ses débuts est revenue. De grandes œuvres sont à venir. Beethoven est maintenant complètement sourd. En 1817, c'est la grande sonate opus 106, longue de plus de 50 minutes, incomprise à l'époque, mais aujourd'hui considérée comme l'une de ses plus grandes sonates pour piano. De 1818 à 1822, c'est la composition de l'une de ses plus grandes œuvres, l'Admirable Missa Solemnis, la messe solennelle. Une œuvre magistrale, avec une orchestration riche en couleurs. Jamais Beethoven n'a marié voix et orchestre à ce point. La Missa Solemnis se compare aux grandes œuvres religieuses du répertoire. C'est durant cette période que naîtront les trois dernières sonates pour piano, numéros 30, 31 et 32. La symphonie numéro 8 date de 1812. Depuis ce temps, Beethoven avait complètement abandonné les durs labeurs d'une grande composition pour orchestre. Pourtant, dès la Missa Solemnis terminée,
C'est le début de son ultime chef-d'œuvre, la symphonie numéro 9. De par son orchestration et son développement, cette symphonie influencera les compositeurs des générations suivantes. C'est dans cette symphonie que nous retrouvons le fameux final, l'ode à la joie. La symphonie est un message de paix et de fraternité. Le 7 mai 1824, elle est créée avec un succès retentissant partout dans l'Europe. Une fois de plus, le génie de Beethoven fait loi. Il vient d'écrire la symphonie la plus populaire de tous les temps. Finalement, Beethoven offrira ses 5 ultimes quatuors à cordes, numéro 12 à 16, toujours dans une inspiration impeccable, et la grande fugue en si bémol majeur, opus 133. Beethoven a encore des projets de composition, mais il tombera gravement malade en 1826. Il est aux prises avec une double pneumonie qui va l'emporter au bout de 4 mois de souffrance. Beethoven avait une santé fragile les 10 dernières années de sa vie. Il avait d'importants problèmes gastriques. En se basant sur les observations de son médecin de l'époque, on propose plusieurs causes qui ont causé son décès. Cirrhose alcoolique, hépatite aiguë, maladie de Whipple ou encore maladie de Crohn. Le 26 mars 1927, à Vienne, mourait l'un des plus grands compositeurs que le monde aura connu. Un compositeur qui aujourd'hui est vénéré par tous les chefs d'orchestre depuis près de 200 ans. Ludwig van Beethoven laisse un héritage musical qui continue d'éblouir par sa diversité, par sa riche orchestration et par son étonnante modernité encore aujourd'hui. Ludwig van Beethoven reste de par son œuvre toujours vivant dans le cœur des hommes. Wolfgang Amadeus Mozart est né en 1756 à Salzbourg en Autriche. Il représente plus de 200 ans après sa mort l'un des plus grands compositeurs que le monde aura connu, un maître au piano et au violon. Mozart excellait dans toutes les phases de la musique classique, que ce soit dans ses symphonies, ses sonates, ses concertos pour piano ou sa musique sacrée. Mozart est synonyme de génie. Il aura aussi laissé d'admirables opéras qui en font l'un des maîtres du genre. Wolfgang Amadeus Mozart aura laissé une musique qui a influencé les générations à venir. Sa musique aura traversé les époques. Voici son histoire. Wolfgang était un enfant prodige qui étudia le clavier et la composition dès l'âge de 5 ans.
Il était déjà un maître dans l'improvisation, pouvant reproduire une musique qu'il venait d'entendre pour la première fois sans fausse note. À 6 ans, il se produit devant l'impératrice Marie-Thérèse à Vienne, au château Schönbrunn, puis devant le roi Louis XV de France et pour le roi George III à Londres. Wolfgang Amadeus Mozart séduit tout le monde. Il n'y en a que pour lui. Jamais on n'a vu un tel prodige à un si jeune âge. Si les compositions sont parfois simplistes et naïves, dues à son jeune âge, le talent, la dextérité ne fait aucun doute et de grandes œuvres de maturité vont arriver plus tard dans cette vie hors du commun. Mozart sera guidé dès ses débuts par son père Léopold Mozart, un musicien respecté à Salzbourg. Mozart démontrera peut-être son génie, mais le prix à payer sera aussi énorme, une enfance et une jeunesse sacrifiées au nom de la musique. Mozart sera tellement couvé par son père qu'il ne sera jamais capable vraiment de prendre ses responsabilités. Il restera, selon les témoins de l'époque, un homme sans maturité, ayant toujours besoin d'aide pour se gouverner. Toute sa vie, il vivra au jour le jour, n'ayant aucune clairvoyance pour assurer une gestion de ses revenus. Vivant dans son monde, Mozart n'avait pas les codes pour évoluer dans la haute bourgeoisie. Il manquait de tact, il était impulsif et, peut-être dû à son génie, avait rarement un bon mot pour les autres musiciens. Malgré toute la reconnaissance de ses pairs, Mozart n'avait que de rares amis. On le disait arrogant et dédaigneux. En décembre 1769, Léopold emmène son fils en Italie, où ils firent une grande tournée. Milan, Florence, Naples, Rome, rien ne lui résiste. On lui demande un nouvel opéra, et ce sera Mithridate, roi de Ponte, qui sera exécuté en décembre 1770 avec succès. De retour à Salzbourg, où il est nommé Concertmeister de l'archevêque, chef de l'orchestre de la cour en 1772, c'est le premier poste salarié de Mozart. Dès 1775, Mozart a maintenant 19 ans. L'époque de l'enfant prodige est terminée. Il demande l'autorisation à son archevêque pour voyager, mais sa demande est refusée et il fut même renvoyé. Il est maintenant un musicien comme les autres qui doit galérer pour gagner sa vie. Finalement, il se rend à Paris. Il a du mal à attirer l'attention. Son arrogance ne l'aide pas pour avancer dans sa carrière. Ce trait de caractère ne le quitte pas, comme s'il n'avait pas conscience qu'il ne fait que du mal à lui-même et à personne d'autre. Il composa par contre énormément d'œuvres nouvelles, dont la fameuse symphonie numéro 31, dite de Paris. Sa mère mourant subitement, il retournera en Autriche en 1779. Mozart s'acquitte de ses fonctions à la cour. En 1780, Munich lui commande un opéra. Ce sera son premier grand opéra de maturité, Idoménéo. Cet opéra est encore joué de nos jours sur les grandes scènes. Par contre, Salzbourg, devenant trop petit pour lui et en conflit perpétuel avec l'archevêque qui ne commandait aucune œuvre religieuse, Wolfgang étant pris dans un carcan qui limitait ses talents artistiques, il lui fallut impérativement bouger vers d'autres horizons. 1781, Mozart est maintenant à Vienne. Il compose, il enseigne et donne des concerts privés pour les riches. Il écrit un deuxième grand opéra,
l'enlèvement au sérail. Sa musique devient de plus en plus innovante. Les instruments à cordes, des cors, des flûtes, des clarinettes, des bassons, des trompettes. C'est un foisonnement d'instruments et d'orchestration de haut niveau. Pourtant, il gagne sa vie difficilement. La vie à Vienne demeure difficile pour un musicien. Il doit travailler énormément. En 1782, il épousa Constance Weber, chanteuse amateur. Mozart la décrit de manière peu flatteuse. Elle n'est pas laide, mais en aucun cas une beauté. Elle n'a pas d'esprit, mais elle a assez de bon sens. Le père de Wolfgang, Léopold, est contre cette union, trop modeste à ses yeux. Ce mariage sera par contre heureux. Constance a semblé lui apporter un brin de stabilité et les grandes œuvres de maturité arriveront bientôt, des œuvres qui marqueront à jamais la grande musique classique. Mozart avait une passion pour l'opéra et son désir le plus cher était de laisser sa marque dans cette discipline. Il rencontre le librettiste Lorenzo da Ponte, qui sera d'une importance capitale dans la carrière de Mozart. Da Ponte lui offre un livret sur le mariage de Figaro de Pierre Beaumarchais. Dès 1786, Mozart complétera un des plus grands opéras dont le succès ne se démentira jamais. Mais bien que cet opéra est un chef-d'œuvre, l'accueil est glacial à Vienne le 1er mai 1786. Mozart a beaucoup d'ennemis dus à son caractère sans concession. Antonio Salieri est compositeur à la cour et il influence ses pairs. Vienne rejette Mozart. L'opéra obtiendra du succès à Prague en 1787. Tranquillement mais sûrement, l'opéra est reconnu à sa juste valeur. Wolfgang sait que son œuvre est achevée et mature. Il n'a pas de doute. Il se fait confiance et poursuit dans la même veine. Lorenzo da Ponte lui offre deux nouveaux livrets, Don Giovanni et Così fan tutte. Don Giovanni est un succès à Prague, mais encore une fois boudé à Vienne. Don Giovanni, l'un des plus grands opéras du monde, n'est pas reconnu. Mozart paie au prix fort son caractère sans concession et sa condescendance envers ses pairs. À Vienne, on dit sa musique trop avancée et difficile. Et pourtant, jamais Mozart ne fut plus inspiré. La musique et les mélodies de Don Giovanni sont plus envoûtantes les unes que les autres. L'intensité dramatique et l'humour tour à tour tiennent l'auditeur en haleine. Le temps donnera raison à son œuvre, un succès mondial qui ne se démentira jamais. Les représentations de Così fan tutte furent un succès à partir de janvier 1790, mais furent rapidement interrompues en février à la mort de l'empereur et tous les opéras et salles de concert furent fermés en signe de respect. Décidément, Mozart ne joue pas de chance. Malgré ce succès musical, Vienne refuse de reconnaître le génie de Mozart. Sa situation financière se détériore à partir de 1788. Il doit fréquemment demander de l'argent à ses amis. Il doit voyager à Berlin, à Francfort, pour recevoir des revenus qui n'améliorent guère sa situation. Mais il continue à composer de façon frénétique. Des symphonies, des concertos pour piano, des messes, que des œuvres plus belles les unes que les autres. Artistiquement, Wolfgang Amadeus Mozart est à son apogée.
En 1791, il compose la Clémence de Titus, opéra seria de grande qualité. Il peaufine et reprend sa messe du couronnement de 1779 pour en faire une œuvre majeure dans la musique sacrée. En 1791, la reconnaissance finit par arriver à Vienne. Mozart est nommé maître de chapelle de la cathédrale Saint-Étienne de la ville. Malheureusement, il ne vivra pas assez longtemps pour occuper cette fonction. Au crépuscule de sa vie, Mozart compose le Requiem, commandé par un noble viennois, pour commémorer la mort de sa jeune épouse. Mozart n'a pas eu le temps d'achever l'œuvre. Il composera l'œuvre dans son entièreté, mais n'a pas le temps de terminer l'orchestration. La tâche de terminer l'œuvre sera confiée à son élève Franz Hussmeier. Mozart est malade tout au long de l'année 1791. Il a des épisodes de forte fièvre. Il continue tout de même à composer sans cesse, comme s'il redoutait une fin inévitable. Les raisons exactes de sa mort sont inconnues. On parle le plus souvent d'une grippe rhumatismale ou d'une insuffisance rénale. Mais beaucoup d'autres hypothèses ont été soulevées, que c'est inutile ici de les soulever. Mozart meurt sans le sou et il sera enterré dans une fosse commune. La musique de Mozart a influencé de nombreux compositeurs ultérieurs. Il prétendait être le plus grand musicien de tous les temps. Peu sont parvenus à se comparer à lui. De son vivant, Mozart était seul dans son monde, mais son caractère capricieux et la jalousie de ses pairs vont ruiner sa carrière artistique, mais jamais son inspiration foisonnante. Comme Gustav Mahler, le temps lui donnera raison. Il sera reconnu à sa juste valeur après son décès. Tous s'entendront sur le génie incontestable de cet homme qui commença à donner des concerts à 5 ans, qui créa plus de 800 œuvres. Wolfgang Amadeus Mozart, un homme enfant au caractère difficile, continue de susciter l'admiration plus de 200 ans après sa mort.